Quick York. Ong, you know, you have come talk at the Nagan, the TV, Sam Naka. Tam Kal Pier, the bank room took, not many. Ong, you breathless up. Sakai Kamra was at say, Smokang, Kit you, how do Dialing tanks and loading down the crumb with the week after they look kills and pawn. On your breath, some put all with the car, tune the crumb with the week after they look kills and pawn. Done by men of car, no car tanks and loading down the Jibosa side of me. Some journey. Mr. Victor Verken. Merci, Monsieur le Président. Somokon Lobotian. Bonjour à toutes les personnes présentes dans cette salle d'audience. Bonjour monsieur. Je vais essayer, lors des questions que je vais vous poser, de me limiter à vous poser des questions sur des informations dont vous avez prétendu avoir disposé à l'époque des faits. Je ne veux pas, et je crois que personne ici ne peut vous reprocher d'avoir voulu étudier la période du Kampuchea démocratique et d'avoir cherché à vous défendre devant la justice qui vous accusait. Mais je pars du principe que vous n'êtes ni un expert ni un historien et que vous n'avez donc pas vocation ici à commenter des documents dont vous ignoriez l'existence à l'époque du Kampuchea démocratique et qui traite de sujets dont vous n'étiez pas le témoin direct à cette époque. Je vais commencer donc par vous poser quelques petites questions générales d'usage avant d'entrer dans les quelques points de vos déclarations que j'ai sélectionnées parce qu'elles me semblent rentrer dans la définition que je viens de poser en préambule. Avant votre prétendue réunion du 6 janvier 1979, dont nous parlerons plus tard, avez-vous été en contact d'une quelconque manière avec M. Khieu Samphan? ไอ้จํานายเรื่องเดខ្ញុំឆ្លើយគឺមុនថ្ងៃ6មករាមុនថ្ងៃ6មករាខ្ញុំគ្មានការពាក់ប៉ុនអីជាមួយនឹងបងខៀវសំផនទេគ្រាន់តែឃើញគាត់ពីចម្ងាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបដល់17មេសាមក Lorsque vous avez été entendu par les juges d'instruction le 23 août 2007, c'est la cote du dossier D86, barre de fraction 4 en page 3, ERN français 00 14 79 29, ERN Khmer 00 14 65 51, vous aviez déclaré au juge que sous le Kampuchea démocratique, vous n'aviez pas le droit de rencontrer Khieu Samphan. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui cette déclaration? Je me
Qui avait posé une telle interdiction? Au juge d'instruction, toujours, mais à une autre date, le 24 juin 2008, c'est la cote E3, barre de fraction 107, en page 6, ERN français 0019-79-83, ERN anglais 0019-82-22, et Khmer 00-19-79-73, vous avez déclaré que Son Sen je répète donc l'ERN Khmer 00-19-79-73, vous aviez déclaré que Son Sen ne vous avait jamais parlé de Khieu Samphan. Est-ce que vous confirmez? Hier, à cette barre, vous avez indiqué que vous ne saviez pas ce que devenaient les confessions de S21 que vous transmettiez à vos supérieurs. Et je voudrais savoir si vous confirmez ce que vous aviez dit au juge d'instruction le 19 novembre 2008 en code D117, ERN français 00-23-98-23, anglais 00-24-28-75, et Khmer 00-23-98-33, juge d'instruction donc auquel vous aviez déclaré je cite, en résumé, rien ne permet d'affirmer que Khieu Samphan lisait lui-même les confessions. C'est ce que vous aviez dit à cette époque. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? ខ្ញុំស្ដាប់មិនច្បាស់ទេសូមលោកមេធាវីបញ្ចាំងលើកអេក្រង់ពាក្យដែលខ្ញុំបានជម្រាបចៅក្រុមសិស្សមកគេមេធាវីរៀបចំនៅឯកសារដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅសាក់សីដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់មុនពេលតាំងសំណួរចំពោះគាត់ដោយអ្វីដែលភាគីដទៃទៀតធ្លាប់បានធ្វើប្រហែលថ្ងៃនេះកន្លងមកហើយហើយអង្គជំរះក៏បានជម្រាបជូនរួចហើយដែរ ហើយជាការងាយស្រួលគួរតែត្រូវបានរៀបចំដោយគ្នានឹងមេធាវីកាលពីក្តីលោកអៀងសេរីដែលបានធ្វើការពីម្សិលមិញនោះជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើនល្បឿនពេលវេលាកុំឲ្យវាបាត់បង់ពេលវេលាដែលលោកមានពេលវេលាខ្លីសម្រាប់សួរដេញដោលនេះ
J'ai le document, Monsieur le Président, je le surligne juste pour ne pas perdre de temps et afin que le témoin retrouve le passage rapidement. Je crois qu'il est déjà affiché. Donc, Monsieur le greffier peut venir, je vais les lui remettre. Hier, devant ce tribunal, vous avez indiqué que vous ne saviez pas ce que devenaient les confessions de S21 que vous transmettiez à vos supérieurs. Et par le passé, vous aviez fait une déclaration qui peut être rapprochée de ce que vous avez dit hier. Vous aviez dit, en résumé, rien ne permet d'affirmer que Kyo Sampan lisait les confessions. Je vous demande juste si vous confirmez cette déclaration. ខ្ញុំអត់ដឹងទេតើឯកសារស21ខាងលើយុទ្ធធ្វើអីខ្លះទី2ខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលគំនិតថាបងហែមអត់បានមើលឯកសារនេះមុនគេមុនអញដូចបងសនសេនទេ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការបកប្រែនឹងមិនត្រូវទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាបងហែមបានឯកសារអានឯកសារនេះមុនគេមុនឯងដូចបងសំសេនទេគឺបងសំសេនតែម្នាក់គាត់ដែលអានឯកសារនេះមុនគេមុនឯង Je voudrais maintenant passer à une autre question. Pendant l'instruction et au cours des jours qui viennent de s'écouler, vous avez prétendu qu'après l'arrestation de Chouchette, vous aviez reçu une confidence de Pang, selon laquelle Pol Pot lui aurait demandé
de ne pas convoquer Von Vett à la réunion au cours de laquelle l'arrestation de Chouchette devait se décider, mais plutôt d'inviter, avez-vous dit, à sa place, M. Khieu Samphan. Ma première question sur ce thème est la suivante. Est-ce que, à votre connaissance, Pang assistait aux réunions du comité permanent? ខ្ញុំចង់ដែរចង់ឲ្យលោកមេធាវីបញ្ចាំងឯកសារនេះនៅលើអេក្រង់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងថ្វីត្បិតបញ្ហានេះខ្ញុំឆ្លើយជូនបានភ្លាមដូច្នេះសូមលោកប្រធានពិចារណាតើឲ្យបញ្ចាំងឬក៏ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយភ្លាម Dans un premier temps, pas tellement, Monsieur le Président, je voulais ជាជំនួយទូទៅលោកសរសៃអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងបានហើយបើសិនជាលោកអាចឆ្លើយបានណាជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានសំណួរនេះគឺលោកមេធាវីចង់ដឹងថាតើប៉ងមានសិទ្ធិចូលប្រជុំជាមួយនឹងគេដែរឬអត់ ប៉ងជាអ្នករៀបចំកន្លែងរៀបចំតុកៅអីរៀបចំអីហើយនឹងដើរអញ្ជើញសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យចូលប្រជុំតាមគោលការណ៍ខ្ញុំជឿថាប៉ងមិនមានសិទ្ធិចូលប្រជុំជាមួយនឹងគេទេ Est-ce que cela signifie, monsieur, que Pang n'a pas pu vous dire si, par exemple, monsieur Khieu Samphan s'était présenté effectivement à une telle réunion? Ngày nó vẫn ắt bàn chưa bằng vốn thế cứ anh chính bằng hai em nít tam sầm đầy phong để chỉ nè ăn nó vắt bình chia rồi bỏ bằng pol sầm nữa Est-il exact de dire que la seule information que vous a donnée ce jour-là, Pande, c'était qu'il y avait eu un changement d'invitation? Khieu Samphan à la place de Von Vett. វនវេជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានវនវេសមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមឯកម្លែកបងខឿសំផនអត់ទេគាត់ជាសមាជិកមជ្ឈិមពេញសិទ្ធិតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះការ Monsieur le témoin
Peut-être avons-nous un problème de traduction. Ce que je cherche à vous faire préciser, c'est uniquement le contenu de l'information dont vous dites que Pang vous a fait part. Ce jour-là, Pang vous a-t-il dit autre chose que tiens, à la place de Van Vett, on m'a demandé d'inviter Kieu Sampan. ខ្ញុំនៅប្រសាងលោកប្រធានសំណួរលើក្រោយនេះប្លែកពីមុនបន្តិចដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយសំណួរលើក្រោយនេះមុនដំបូងបងប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនោះបងវុននៅកន្លែងតែបងប៉ុលឲ្យទៅអញ្ជើញបងហែមវិញ ឯងបានតរទៅទៀតបងក៏បញ្ញល់ខ្ញុំថាវនវេតលំបាកធ្វើការណាស់ពេលប្រជុំម្ដងៗក៏មុខកញ្ជើជូនអីអង្គុយទៅមើលអត់និយាយឆ្លោះឆ្លងនឹងគេនេះបងបញ្ញល់អញ្ចឹង Et c'est tout ce qu'il vous a dit, c'est bien cela? Pang est-il encore vivant aujourd'hui? Quelqu'un d'autre a-t-il assisté à votre discussion ce jour-là avec Pang? C'est vrai. Mais si cette discussion avait eu lieu alors que Pang était déjà détenu à S21. Alors, comment se fait-il que dans une transcription de l'enregistrement audio de votre entretien avec l'UNHCR, le comité réfugié, vous dites que Pang vous avait fait cette confidence après avoir fini d'écrire ses aveux. Référence IS-20.19, page 2 et 3, ERN français 001-60-92-2 et 3, ERN anglais 00-00-25-07, ERN Khmer 00-16-08-90.
Good morning, Mr. President. Le document, Monsieur le Président. Et je vous demande l'autorisation de pouvoir le projeter sur l'écran. Excusez-moi, je n'avais pas allumé mon micro. Dans la traduction française, il est écrit « Après que Pang a eu fini d'écrire ses aveux, je lui ai parlé. À l'occasion de cette conversation, Pang m'a dit que Van Vett, même s'il n'avait pas été appelé ailleurs, n'était jamais invité à leur réunion. Comment expliquez-vous l'apparente différence qui existe entre ce que vous dites aujourd'hui et ce que vous avez dit en 1999? Excusez-moi, monsieur. Je crois que vous vous méprenez sur le sens de ma question. En fait, je ne vous ai pas interrogé sur les deux points que vous venez de soulever. Je vous ai interrogé sur la modification apparente de votre déposition, à savoir que vous avez dit en 1999 que vous vous étiez entretenu avec Pang après qu'il ait signé ses aveux. Donc, a priori, vu la manière dont fonctionnait S21, après qu'il ait été torturé, et ici, à l'instant, à la barre, vous avez dit que vous n'aviez pas parlé avec Pang lorsqu'il était à S21. Et l'objet de ma question est de vous demander pourquoi une différence entre ces deux dépositions, où est la vérité ? ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននេះហើយជាសេចក្តីពិត
ខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺប៉ុងនិយាយអោយខ្ញុំនៅពេលដែលប៉ុងមានអំណាចខ្ញុំសួរប៉ុងនៅពេលដែលប៉ុងមានអំណាចដែលខ្ញុំសួរហ្នឹងប្រហែលជាក្នុងខែ 4 ឆ្នាំ 1978 មុនពេលក្រោយពេលចាប់ជួចជេតមិនតាញ់ Vous souvenez-vous de la date de l'arrestation, non plus de Chouchette, mais de celle de Pang? ខ្ញុំជំរាបបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការបកប្រែមិញដូចវិញខ្ញុំមិនចាំទេថ្ងៃខែចាប់ប៉ងតែខ្ញុំចាំច្បាស់ថ្ងៃការបរិច្ឆេទនៃការចាប់ជូជេត Oui, celle-là, vous l'avez donnée. En tout cas, vous avez indiqué le mois. Vous avez dit avril 1978. Non, pardon, c'était la conversation, excusez-moi. J'ai confondu l'arrestation de Chouchette. Pouvez-vous en rappeler la date? Je ne sais plus si vous l'avez dit à la barre. Je ne sais plus si vous l'avez dit à la barre. Je ne sais plus si vous l'avez dit à la barre. 1978. Revenons à l'arrestation de Pang. Vous dites ne pas vous souvenir de la date. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire si c'était longtemps après celle de Chouchette ou dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Chouchette? Chouchette. នឹងចន្លោះការចាប់សោភឹមបោសសម្អាតបោពៀខែមិថុនា 1978ដូច្នេះចន្លោះនោះ D'accord, donc selon votre souvenir, c'est à peu près dans une fourchette de deux mois qui a suivi celle de Chouchette. C'est bien ça? Je me réponds à l'opinion, par ailleurs, que nous avons long, qu'est-ce qu'il y a? Dans sa confession à S21, Chouchette a-t-il mis en cause Pang? Chouchette ban chlai dak Pang ta anchang te? Chamrep prasah lok prathean khom cham ban chbas te.
đôi chỉ ớt tràn chiếng miền. Avant l'arrestation de Chouchette, Pang avait-il déjà été mis en cause dans d'autres confessions? Bien sûr, parce que c'était avant l'arrestation de Chouchette. សាក់សីមិនបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីដែលសួរចំពោះលោកចុងក្រោយមិនមែនទេដែលហេតុមេធាវីផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយយកមកដេញដោលមេធាវីរៀបចំនៅសំណួរឡើងវិញជាវិងនៅការផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការធ្វើទរណកម្មហើយយកទៅដេញដោលសាក់សី Je ne cherche pas, Monsieur le Président, à utiliser des informations qui auraient été contenues dans des confessions au plus de la torture comme réelles. Je ne cherche pas à faire considérer par les témoins ces informations comme réelles. Mais eu égard à la manière dont fonctionnait S21 et le régime, Monsieur Duc nous a déjà d'ailleurs indiqué qu'il suffisait d'être cité dans des confessions pour être mis sous surveillance ou arrêté. Et c'est l'objet de ma question. Si vous voulez, ma ligne de question ne porte pas sur le contenu du tout et la véracité des informations. Ça ne m'intéresse absolument pas, soyez-en rassurés. Je cherche juste à savoir, dans l'histoire de S21, est-ce qu'il y avait eu, avant l'arrestation de Chouchette, des confessions dans lesquelles, peu importe pourquoi, ça ne m'intéresse pas, Pang avait été mis en cause. C'est tout. Et ensuite, si c'est le cas, j'aurais une question à poser aux témoins, mais encore une fois, une question sans rapport avec la véracité des informations qui auraient été obtenues via des confessions sous la torture. Donc, je crois que je sors de la règle qui me paraît tout à fait justifiée, qui consiste à ne pas accepter de tenir pour acquis des éléments contenus dans des confessions. Là n'est pas mon propos. Donc je sollicite que votre chambre veuille bien reconsidérer sa décision, regarder mon explication et m'autoriser simplement à poser les questions que je viens d'évoquer et d'expliquer.
ដែលវាអាចតាំងសំណួរវាលក្ខណៈជីទូទៅបានប៉ុន្តែមេធាវីមិនត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនផ្អែកលើកំណត់ហេតុចម្លើយសារភាពនៃអ្នកទោសដែលបានធ្វើទរណកម្មរួចកំទេចនៅក្នុងសមភ័យមួយធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការសួរសាក់សីទេ Je vais essayer de reformuler, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, est-ce que selon vous, avant l'arrestation de Chouchette, Pang était sous surveillance du pouvoir? គឺចាំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងបងសុនសេនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសឆ្លើយដាក់បងតាំងពីគាត់នៅជាមួយខ្ញុំ Et cette permission d'accuser Pang précédait-elle l'arrestation de Chouchette? Lorsque, d'abord, est-ce que Sun Sen vous a dit à vous personnellement qu'il souhaitait que le nom de Pang apparaisse dans des confessions? Est-ce que c'est ce que vous dites? ខ្ញុំជម្រាបគាត់ថា miền thì phải đặt bằng về lực môn vấn đề để khi mình đi ca chỉ mình đẹp bóng bóng chấm ó ở không lần một bóng chân được này không bóng sai chân được này chứ ដល់ពេលនោះហើយដែលមេខ្ញុំបងសុំសិនគាត់ថាអឺអញខុសហើយឥឡូវនេះស្ដាប់វាឆ្លើយថាម៉េចអត់ទៅសេមកអញស្ដាប់នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ Some noah.
Et les propos de votre supérieur Son Sen ce jour-là, réclamant l'apparition de Pang dans des confessions, à vos yeux, signifiait-il que Pang était sous surveillance du pouvoir? ការតាមដានគេតាមដានពូហែមកក៏ប៉ុន្តែនេះជាជំហានមួយថ្មីទៀតដែលគេស្ដាប់ចម្លើយអ្នកដែលឆ្លើយដាក់បង Merci Somdou. Pour cette réponse. Hier, répondant aux questions de mon confrère Carnavas, vous avez indiqué l'état de peur dans lequel viviez à l'époque du Kampuchea démocratique. Et je me demande si, eu égard au fait que Pang était sous surveillance, que Son Sen, comme vous venez de l'indiquer, vous avez demandé que son nom apparaisse dans des confessions, s'il était prudent pour votre sécurité de poser des questions à Pang, comme vous le prétendez, Pang encore libre, encore en poste, sur le fonctionnement du comité permanent. ការនៃមានសវត្ថិភាពចំពោះរូបលោកផ្ទាល់ដែរទេដែលក្នុងការអនុញ្ញាតសួរសំណួរទៅប៉ងតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅសម័យនោះនោះលោកប្រធាននេះហើយរបៀបរបបធ្វើការមានក្នុងមានក្រៅការសម្ងាត់ Je comprends ce que vous dites. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris ce que moi vous ai dit. Vous saviez que Pang était sous surveillance, n'est-ce pas? Avant l'arrestation de Chouchette, n'est-ce pas? Et après l'arrestation de Chouchette, vous allez vous entretenir et poser des questions sur le comité permanent avec un individu dont vous savez pertinemment qu'il est au minimum sous surveillance, sur la sellette, comme on dit en français. Est-ce que c'était bien prudent pour quelqu'un qui prenait autant de précautions avec sa sécurité que celle que vous avez décrite durant les journées d'audience qui viennent de s'écouler? ដែលប៉ុលពតនួនជាមិនទុកចិត្តអត់ដឹងខ្លួនទេគ្មានអ្នកណាដឹងខ្លួនទេ ដូច្នេះធ្វើការទាំងអស់គ្នាដដែល Monsieur le témoin, je vous arrête.
Je vous arrête parce que je ne vous parle pas des autres, je vous parle de vous. Et vous avez dit que vous étiez informé du fait qu'il était sous surveillance. Et ma question part justement de cette information que vous donnez. Vous êtes informé du fait que Pang est mis en cause, sous surveillance. Chouchette est arrêté et vous discutez avec Pang du fonctionnement du comité permanent. Ne courez-vous pas ainsi un danger? ສໍມະໄພ1ໄຖໄຕກໍລົບການຈັດຕັ້ງນີ້ສໍມະໄພ1ໄຖໃບການດອລປ້ອງສໍມະໄພ1ໄຖມີຕົກທີ3ເລື່ອງແດ່ຂ້ອຍສູ່ປ້ອງອັມປີກໍລະນີ Je n'ai pas eu la fin de votre phrase, en fait. Je ne comprends pas le sens de ce que vous venez de dire en français. Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit ដែលសមកភី1ត្រូវតែធានាកុំឲ្យបៃកាដល់ប៉ង Oui, je comprends, monsieur. D'accord, monsieur, mais vous, qu'il était encore en fonction, faisant cela alors que vous le saviez sous surveillance, ce qui était quand même lourd de conséquences sous le régime dont nous parlons, ne preniez-vous pas le risque que le jour où il aurait été arrêté, il vous implique dans son réseau comme étant une personne qui avait cherché à obtenir des informations sur le comité permanent. Ne preniez-vous pas ainsi un risque? Vous,
Vous. Je ne sais pas si vous avez des problèmes. Nâng tìm mùi tìm bì bà sân kìa bong hiến trái ta khang lời chư rí mẹ xâm nú á. Votre prédécesseur AS21 avait lui-même été arrêté, torturé, puis tué AS21. Vous dites maintenant que vous vous sentiez en fait au-dessus de la masse et protégé, tranquille, dans le système qui prévalait sous le Kampuchea démocratique, du fait de votre direction de S21, est-ce ce que vous dites aujourd'hui? Tổng bố mình nên tránh phí ai cả xá xó mà phải mùi tì. Khâm xông bình chạy. Chẳng lấy để cho lại đặt nạt đi. Tổng bố cứ mình tránh phí xó mà phải mùi tì. Merci. Monsieur le témoin, je vous arrête un instant. Excusez-moi. Pour répondre à ce que vous venez d'indiquer, vous-même, en code E3, barre de fraction 106, page 5 du dossier, vous avez indiqué au juge d'instruction que Vornvet vous avez mis en cause dans ses confessions. C'est donc que, contrairement à ce que vous venez de dire, vous n'étiez pas du tout à l'abri à S21 et que vous encourriez le risque, même à la place qui était la vôtre, d'être mis en cause dans des confessions qui étaient extirpées par la torture. AS21, même AS21, vous n'étiez pas à l'abri, semble-t-il. ទី 2 ក៏ឆ្លើយនឹងដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជនតាក់ទងនឹងគាត់ទី 3 ខាងអ្នកសួរគេប្រាប់ខ្ញុំដែរ
khiêm tha ao cắt lại tại chỗ. Ai chạy buôn, ai cái sản nó khiêm đi ca chung bằng nguồn, giờ thì bằng hành chung bằng nguồn. Để vốn vệ sẽ đặt nhóm. Bởi bằng nguồn gặp chấp khám chấp á. Donc, votre position aujourd'hui consiste à dire que, au moment où vous aviez la conversation avec Pang en avril 1978, vous ne vous sentiez pas du tout inquiet de lui poser les questions que vous lui avez posées ce jour-là. C'est bien ce que vous dites. Je voudrais revenir, monsieur, sur la transcription de l'enregistrement audio de votre entretien avec l'UNHCR, dont j'ai parlé en introduction. J'ai cité la cote, je ne rappellerai que celle-là, IS 20.19. Je vous ai indiqué que dans cette transcription de l'enregistrement audio, vous dites que Pang vous avait fait cette confidence après qu'il ait fini d'écrire ses aveux. Est-ce que vous contestez le contenu de cette transcription? Your Honor, I just ask that counsel put specifically what the witness said in the interview, because I don't think it was categorized accurately. I think the discussion in the interview was more of a general discussion rather than a specific discussion in relation to the arrest of Chow Chet and the circumstances surrounding it. So it's a bit misleading in that regard. But if perhaps the passage could be put complete. Alors, pour simplifier, Monsieur le Président, je propose de passer à un autre document que je souhaiterais soumettre aux témoins et qui, à mon sens, ne souffrent pas des éventuelles interprétations dont vient de parler Monsieur le Procureur. Il s'agit du procès-verbal d'interrogatoire de M. Kengek Ev, alias Duc, en date du 9 juin 1999, devant le tribunal militaire, qui porte la cote D288, barre de fraction 6.52, barre de fraction 4.25, et dans lequel Monsieur, ici présent, déclare « Parfois, j'avais des conversations avec ceux qui étaient déjà interrogés, comme le nommé Tok Poon, Chim Sam-ok, alias Pang. Les sujets étaient, premièrement, je voulais me renseigner sur la vie de Pol Pot, de Yang Sari, de Sun Sen, de Thieu Sampan et de Tok Poon lorsqu'ils étaient en France. Quant à Chim Sam Hok alias Pang, Chouchette alias Si et Van Vett, je voulais connaître la structure intérieure du parti, l'histoire du parti communiste révolutionnaire du Kampuchea. Deuxièmement, concernant les interrogatoires directs, je les faisais en collaboration avec d'autres sur les ordres de Sun Sen. Je voudrais que l'on vous
remette un exemplaire de cette déposition et que M. le Président vous m'autorisiez à la faire placer sur les écrans. Vous ne voulez pas la regarder, monsieur le témoin? Il apparaît, monsieur le témoin, que ce que vous avez déclaré au tribunal militaire le 9 juin 1999 contredit ce que vous avez dit à cette barre sous serment il y a quelques minutes. Quelle est votre explication? ជំរាបសាសលោកប្រធានកាយកត់ត្រានេះមានលក្ខណៈសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ 3 4 គ្នាហើយប្រើកិរិយាសព្ទនិងគុណសព្ទតែមួយម៉ាត់ សូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំ សួរ បង តូច ព្រឿន ក្រោយ ដែល ចប់ ក្រោយ ដែល ចប់ សេចក្តី សារភាព ច្រើន ខែ ស្តបើ គាត់ សះ ស្បើយ អស់ ហើយ គេ បាន បំពន់ គាត់ ស្របួល ហើយ ខ្ញុំ ឲ្យ គេ រៀបចំ បន្ទប់ មួយ ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ ជួប គាត់ Monsieur le témoin. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous me parlez d'une autre personne. Moi, je vous parle de la personne qui est citée dans ce procès-verbal et dont nous parlons depuis ce matin, à savoir Chim, excusez l'accent, Sam Hawk, alias Pang. Il apparaît très clairement dans ce procès-verbal que vous dites avoir entendu cette personne après qu'elle ait été interrogée. Et si vous regardez la dernière page du document que je vous ai transmis, outre le fait que l'homme est de vie, ទើបអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយនោះទីឥឡូវនេះអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់នៅត្រង់ចំណុចនៃការឆ្លើយតបរបស់សាក់សីចំពោះសំណួររបស់លោកដើម្បីស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងចំណុចវិវាទគ្នារវាងសំណួរដែលលោកសួរលើកមុនហើយនិងសួរលើកនេះ Vous avez raison, Monsieur le Président. J'ai juste eu l'impression que le témoin ne traite pas directement du sujet que le juge a choisi. សូមបញ្ជាក់មកវិញជាមួយបងតូចភឿនខ្ញុំសួរគាត់ក្រោយគេធ្វើទីរនកម្មមែនប៉ុន្តែដាច់ប្រមាណខែមកហើយដាច់ពីយ៉ាងចិត្តតិចណាស់មួយខែជាមួយបង
bằng những gì chúng mình đang khi nhóm nợ biết để mình hỗ trợ hai khi nhóm bình chia ở mình hỗ trợ tam ca bình chia bị lơ màu cứ bằng luôn đòi lại chu chết hai xì cày để xua hai chọc sập cục tràn khai đá không thể chịu quật làm bấy xua cất ẩm pí miền bắc hai tới มีปัญหาบ่อแปรพิษาบรังบ่อแปรดิเป็นนัดมือปัญหาบ่อแปรพิษาบรังยังไม่มนตรีรัฐบาลตลาดกาเรียกาพริมCa a l'air de fonctionner maintenant, Monsieur le Président. Nous avons entendu la traduction française. La question que vous avez posée. Ça c'est un des liens langoureux. Quand on est dans notre tour, on mange, on a une panne. Chaque fois, on mange un peu de langoureux. Est-ce que vous voulez que je répète ce que je viens de dire à l'instant ou est-ce que vous voulez que je répète ma question au témoin? Monsieur, ça c'est le cas de l'eau, 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 le cas de l'eau,ต่อในการชลอยตบจนนึงสมนูได้องยมเรียกจำใบตรการดับนื้อสักใครกำระบลูกเต่าตบนึงสมนูนี่ได้ทราบมันมีอะไรอ้วนคือพนักแดลช่องกร้อยวันในทางการจับดำสาจิตทำไมมันอปตอติดนู้คือมีปัญหาจังสมบ่อแพร่สมชลอยตบจนนึงสมนูปตอปีมุนจำเรียกภาษาโลกเทียนเบอร์นี่อัมพีกาได้แล้วที่ยมจูบบองตัวพื้นนุ๊กคือปัจเจจูบกล้อยกัดตรีปีรุนกรรมไปให้เชียงมาขายปนงเชียงมาขายยังไงตีมวยขมันสู้กัดอัมพีชีวิตรถในระบบเนี่ยปฏิวัติสกปรังบองตัวพื้นในเย็นปีบองปอลบองวันเนี่ยบองเทียนหายบองตัวพื้นบานบรรยะถาบองสนเซนตรีบานบองเทียนให้นำบองวันโอเทียนหมกจลปฏิวัติโดยไหลบังคือสมพรชมสู่กัตตะให้ดูมาได้บันเจียบบังคือสมพรกรุบบังปอลครั้งมาเลยอาสันทะใจเมียนปัญหาได้รู้ไหมจะวีOui, je vais avoir du mal à poursuivre cet interrogatoire si vous ne me laissez pas essayer de contenir le débordement de Monsieur Luke. Je poursuis une ligne de questions concernant Pang et Monsieur part sur les questions qu'il a abordées après la torture d'une autre personne. Je ne pense pas que ce soit
pertinent eu égard au sujet dont nous parlons maintenant. Je pense que je vais avoir du mal à tenir les délais que votre chambre m'a imposé si je laisse demander aux témoins, si vous autorisez le témoin à partir sur des voies qui ne concernent pas directement la question. Donc je vous demande de m'autoriser ou de... Demandez aux témoins qu'ils répondent directement à mes questions. Ông chủ ban sát đập nơi chủ lời đã bảo sát xây ban bạch chạy cho bạch lộn ná nơi cả bảo bị bích chìa phía xa khám mẹ chìa kệ để giá sắp chìa quân đình niếm nơi khăn nông và dục đại lục tăng sầm nô nâng biên bẹp bọn mà nụ xa ra ơn. Đây là nhà thưa cầm nọt hết, nơi không ta là ca dô thiê nó, ban thưa ca sẵn khép. Chẳng hãy ban chìa con này dê, ban chìa bà lo nhê, ban chìa bà lo rồi viên. À vây đây chìa bà dục, đây lục xua nâng, mình ai đọc vô ta mà nẹ mó, thưa ơi, dù là bàn tê. Vì bố bị bẹ bón ta nâng mà nụ xa ra ơn. Nhi đây chỉ bòm nó mà thân ra bỏ ông nhầm đấy, sao bà xin chỉ luộc tăng xùm nuôn nâng, để phía bọn nâng cả thạc hành để luộc dương mà nâng, cứ ở chơi ở chọp tư, đâm bây ở bị dương chứ ba. Mình mên luộc tăng xùm nuôn hơi, bà xa xây chơi tam bòm nông để luộc chóng, bàn ở chơi, bà chơi tờ khó phí bòm nông để luộc luôn chóng, luôn dương, cứ lấy ở chơi. Nhi ông nhầm đấy khá đáp bị ạ toàn. Ấy lấy lúc tăng thầm nuôi bạn chắc bạn luôn. Hãy khai cho bạn hay đầm mấy ai kì dùl. Sạ xây nó còn dùl bạn. Vì vua lúc đọ sẵn nữ. Bỏ rửa miên đáy là việc dây bẹp bọn nó mà nuôi sẵn. Giờ mà xuống đánh đau này mình xuống. Khlia để bẹp bọn thì mới nâng mà nuôi bọc cô này mà nẹ tê. Je comprends absolument, Monsieur le Président, et je pense qu'en fait, il y a aussi peut-être des questions de traduction qui aboutissent à une mauvaise communication entre la Défense et la Présidence, mais je crois que ça va se régler assez vite. Effectivement, j'ai lu le passage de l'interrogatoire de 1999 dans sa totalité, et effectivement, dans ce passage, le témoin donne plusieurs exemples de personnes avec lesquelles il s'est entretenu alors qu'elles avaient déjà été torturées à S21. Mais vous vous doutez bien que l'objet de ma question ne porte pas sur tous les individus, sur l'ensemble des individus qui sont cités là, mais uniquement sur Pang et sur le fait que, pour ce qui concerne Pang, la déclaration de M. Kang Gek-Yves ce jour de 1999 contredit ce qu'il a déclaré sous serment devant vous, à savoir qu'il a déclaré devant vous tout à l'heure qu'il n'avait jamais parlé à Pang lorsqu'il était détenu à S21, tandis qu'en 1999, il donne plusieurs exemples de personnes avec lesquelles il s'est entretenu alors qu'ils étaient détenus à S21, et parmi ces personnes, il cite justement Pang. C'est l'objet de ma question. C'est tout. Donc, si le choix de monsieur le témoin et de nous parler de toutes les autres personnes qui sont citées dans ce procès-verbal de 1999, je veux bien. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ma ligne de questions, je suis certain que vous alliez venir, monsieur le témoin, c'est Pang. Donc, pour ce qui concerne Pang, quelle est votre explication sur la contradiction entre ce PV de 1999 devant un juge cambodgien alors que vous étiez
accompagné de votre avocat et ce que vous avez déclaré sans serment devant cette chambre. Comment expliquez-vous cette différence ? ហើយតាមរបៀបណាខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានបើសិនជាមេធាវីចង់សួរតពីករណីប៉ងម្នាក់ឯងសូមឲ្យមេធាវីដកឯកសារនេះចេញពីអេក្រង់ហើយដកពីខ្ញុំចេញហើយសួរដោយឡែកតែពីករណីប៉ងកុំឲ្យសំអាងលើឯកសារនេះបើលោកសំអាងលើឯកសារនេះគឺចប់មនុស្សច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវតែសុំបញ្ជាក់ Contestez-vous le contenu de cet interrogatoire du 9 juin 1999? Contestez-vous le contenu de ce document, monsieur? ឥឡូវនេះលោកតាំងសំណួរចាស់ជាថ្មីជាក់លាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅហើយដកឯកសារចេញមកន័យថាលោកអាចតាំងសំណួរជាទូទៅតាមគណិតលោកចង់លោកមានបំណងលោកយល់ថាសំណួរនោះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការពារកូនក្តីរបស់លោកដោយមិនបាច់ឲ្យមើលឯកសារទេពីព្រោះមើលឯកសារនេះវាមានឈ្មោះច្រើននៅក្នុងនោះមានឈ្មោះប៉ងដែរបញ្ហាទី 2 ចំឡើយរបស់សាក់សីរូបនេះបានឆ្លើយបញ្ជាក់ដល់ឈ្មោះប៉ងយ៉ាងច្បាស់លាស់អមាញ់មិញនេះគ្រាន់តែមានការលាក់លួលលើភារការបកប្រែភាសាប៉ុណ្ណោះដល់ពេលតទៅវាអត់មានដោយស្ដាប់អាការតហ្នឹងវាមិនបានឥឡូវយកលោកយល់ទេបញ្ហាគឺបញ្ហាលោកសំអាងលើឯកសារក្នុងមួយកថាខណ្ឌដែលមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលនាំឲ្យការបញ្ជាក់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់តែបើសិនបើលោកស្ទាំងសំណួរតែជាមួយប៉ងទេ មិនបាច់ផ្អែកលើឯកសារដែលលោកយកបង្ហាញនេះទេលោកអាចពិនិត្យមើលទៅហើយតាំងសំណួរយ៉ាងដូចម្តេចដែលលោកយល់ថាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការតាំងសំណួរហ្នឹងគឺបានជាក់ច្បាស់និងបានប្រយោជន៍នៅក្នុងបច្ចេកទេសក្នុងការតាំងសំណួរចំពោះសាក់សីរូបនេះបើពុំដូច្នោះទេគាត់នឹងបកស្រាយតដែលទេ The rest of us are going to be stuck with for the rest of the trial. With humility, let me just say that your ruling is not correct. First, you tell us to provide documents. We provide documents, he rejects them. The witness does not get to control the court. It doesn't matter whether the document contains other names. He's being confronted with something that he said before another institution. Today he said one thing. In another instance, he said something differently. It's classic confrontation. In fact, under oath today, first he said with Pong that he never spoke to him at S21. Later on, under oath again, he said he spoke to him. This is a classic example of how to show when a witness is lying. And to deny now counsel for the defense, the opportunity to show that a witness is lying is improper. Yesterday, the prosecution was able to interfere all the time. Now, the prosecution is sitting quiet. Allow the defense to do their job in classic confrontation, showing one statement under one instance, another statement under oath here, and the gentleman is subject to perjury. So he must answer the question, and he doesn't get to dictate to you, Your Honors, how you are supposed to control the proceedings. As I noted yesterday, he is not at S21. He is not here to tell us how to conduct the proceedings. He is not here to interrogate. He is here to be interrogated. ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាលោកគាត់មិនមែនជាប្រធានសូមអភ័យមួយទេនៅទីនេះដូច្នេះគាត់មិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រាប់ថាយើងត្រូវដំណើរការនីតិវិធីបែបនេះឬបែបនោះឡើយដូច្នេះអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសូមអរគុណ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំបានស្ដាប់ការបញ្ជាការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃសម្ដេចសម្ដេចនាយកដ្ឋានជាតិនៃ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 សម្ដេ
đại nhóm xôm anh nhát nhè tam còn nay nỉ mũi đôi to từ ban chỉ xong nôm po trong cõi bầm phớt rồi bọc trong thạp bờ sân dịch trong xu ẩm pi còn nay bắn công dũng ai cả sàn này. Bởi lúc nơi tại dùng lựa ai cả sản đích xong nơi tại xong ảnh nhát ông Peter là cả nhếch bánh hạ chẳng muốn đánh đời lại bị thế này. Bởi lời đó bị xong lòng bầu mừng xâm rạ hay ông dùm bà cả nó xâm rạ bà phê này tí dập bà phê này tớ tớ hốt đồng mong ដល់1ខ្វះ5នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មនាការអនុរិយអំពីគំខាំងអញ្ជើញសាក់សីទៅកាន់បន្ទប់ប្រងចាំទៅមានសាក់សីហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងប្លោះទៅគេកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះនៅវិលីម៉ោង 11:05 លោកអៀងសេរីស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដល់ផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះពេញតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសូមចូលរួមពីបន្ទប់សាវនាការរងចាំខាងក្រោមដោយពិចារណាអាស្រ័យនេះសូមលោកប្រធានមេត្តាពិចារណានិងសម្រេចសូមអរគុណបាទអង្គុយចុះលោកមេធាវីបានស្ដាប់សំណើសុំរបស់ជនចាប់ចោត យើងទ្រីដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះដោយទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ពីបន្ទប់មួយខាងក្រោមបន្ទប់សម្មនាការនេះសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុសុខភាពអង្គជំរះសម្រេចយល់ព្រមតាមស្នើសុំរបស់ជនរៀបចោតអៀងសេរីដែលបានស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ សូមលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះដោយទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់មួយខិតនៅក្រៅបន្ទប់សម្មនាការនេះតាមរយៈព័ន្ធថតទូពេញមួយថ្ងៃនេះអង្គជំរះតម្រូវឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតអៀងសេរីត្រូវបង្គោលមកអង្គជំរះឃ្លាមនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងសម្មនាការដោយមានចុះហត្ថលេខាឬប្រដិទ្ធនាមរៀបដៃពីលោកអៀង